Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir du coloriage. Donc moi et Safia, nous avons choisi le coloriage en deux posters géants, donc à colorier, de l'édition Grund. Voilà, donc c'est deux coloriages qui... Alors, il y a le coloriage de la forêt des fées et le coloriage des fonds marins. Donc, c'est des posters qui font 80 cm de long et 60 cm de large. Donc, c'était super. On a accroché même dans la chambre. Voilà. Donc, c'est aussi pour les enfants. Donc, pour qu'ils ont droit, comme il est écrit là, ont droit à leur temps calme. Et aussi, on peut le faire en famille. Donc, moi et Safia, on fait du coloriage le soir. Le temps de regarder la télé. Donc, on partage un moment à deux. Et on fait du coloriage. Voilà. Donc, c'est un coloriage que je ne conseille pas aux tout petits. De toute manière, on l'a trouvé dans le rayon des 6-9 ans, ou 6-10 ans à peu près, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est un coloriage qui est assez minutieux. Donc, il a fallu en fait utiliser des feutres fins et des gros feutres. Et donc, voilà. Donc, je vais vous montrer d'abord un coloriage vierge. Et après, on vous montrera le coloriage que nous avons fait avec Safia, mais que l'on n'a pas fini. Donc, Alors, je vais vous montrer d'abord la forêt des fées, mais sans coloriage. Alors, vas-y, Safia, ouvre-le. Voici, alors là il est en entier comme vous pouvez le voir. Je vous montrais en fait, c'est pas que je vous dis que c'est pas pour les enfants, c'est tout simple. Il y a trop de détails. Donc vous le voyez bien, donc il faut vraiment des feutres fins. Et il faut surtout pas déborder. Donc là c'est la forêt des fées. Donc il y a des licornes, des fées, des dragons. Ça c'est dans le monde imaginaire, féerique. Donc voilà, donc il y a des arbres, il y a beaucoup de végétation. Et donc voilà, donc celui-ci on le garde pour la fin. Donc voilà, donc maintenant on va vous montrer le coloriage que nous avons fait, donc des fonds marins. Et le coloriage des fonds marins, on l'a commencé, on l'a pas fini, on a quand même pas mal avancé. Et donc voilà, donc ça fait en train de le déplier. Alors si elle y arrive. Voilà, et en fait, est-ce que tu as mis de la pâte à fixe, Safia? Attendez, je vais l'aider. Ah, ils sont accrochés. Ça, je te dis que comme tu as mis de la pâte à fixe, ça, tu l'as collé. Pour l'instant, là, je vous montre un peu. Donc, je pense qu'il y avait plusieurs coloriages, donc on a pris celui-ci, et je pense qu'on essaiera d'autres coloriages par la suite, quand on aura fini. Voilà, donc là c'est les fonds marins, donc vous voyez il y a plein de couleurs, on a utilisé beaucoup de feutres différents, avec plein de formes surtout. Donc on a utilisé des marqueurs, on a utilisé des gros feux, des feutres fins, voilà, donc comme le dirait ma soeur, il est assez bariolé, mais moi je le trouve sympa, il y a plein de couleurs et en plus on peut l'afficher, on peut le mettre, l'afficher dans la chambre de Safia. Et voilà, donc ça fait un petit moment de gaieté. Donc voilà, c'est le fond marin. Alors pourquoi on a choisi ce coloriage? Parce qu'en fait, quand on est parti à Kid Expo, il y avait un grand coloriage géant. Donc dans le stand des musées et du zoo de Vincennes. Donc dans les musées de Paris, bien sûr. Et il y avait un coloriage à faire. Et du coup, ça nous a inspiré. Et voilà, donc on est parti faire un petit tour à la FNAC pour voir si on ne pouvait pas trouver ce genre de choses. Et on a trouvé celui-ci. Voilà, donc on a mis du doré, on a mis de l'argenté, on a mis du marron, du rose, enfin toutes les couleurs. Et voilà, donc il ne reste pas grand-chose. Mais donc voilà. Voilà. Donc, en espérant que cela vous a plu et à bientôt sur Planète Arc-en-Ciel. Abonnez-vous, laissez un commentaire. Aimez notre vidéo et à bientôt. Laissez un pouce bleu. Voilà, bientôt. Au revoir.